Bienvenue, gratitude de se retrouver. Le yoga du matin, yoga Anatman, yoga Tantra, un yoga d'ancrage et d'enracinement pour se reconnecter au corps physique. Nous allons commencer par faire un Am sur la plante des pieds. Les yeux fermés, la conscience dans les pieds, ressentez le tapis. Ici c'est moelleux, c'est tiède. Et vous pouvez ressentir le poids du corps sous les pieds. Nous allons faire un Am sous les pieds. Une respiration. Ça relâche, ça relâche, ça relâche, ça s'abandonne à l'expiration. Et quand nous faisons des Am, en fait, c'est une canalisation, c'est le Am qui s'exprime à travers nous. Ce n'est pas nous qui faisons les Am ou les Om. Nous les laissons s'exprimer à travers nous. C'est pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Les bras, les mains montent, montent, montent. Les yeux s'ouvrent et nous regardons en face pour monter, monter, monter sur la pointe des pieds. De nouveau, la conscience sur la pointe des pieds. Les abdos se contractent, les muscles fessiers se contractent. Et tout monte, monte, monte. Ah oui, il y a une jouissance de l'étirement. Donc le dos, l'omoplate, nous sommes... Alors pour celles et ceux qui ont... Et vous suspendre en fait, carrément, si vous pouvez, bah là on n'a pas encore installé, vous suspendre par les bras de façon à bien étirer finalement la colonne vertébrale. Et oui, ça fait partie de notre yoga, c'est une option, une respiration. 1, 2, 3, ah oui, gratitude, inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. L'idée, c'est d'étirer la colonne dans tous les sens, de haut en bas en se laissant étirer, de bas en haut aussi, à gauche, à droite, sur les côtés, en avant, en arrière. C'est le principe même du yoga. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, ça s'abandonne. 1, 2, 3. Ah, et nous redescendons tout doucement. Nous allons étirer le bas du dos notamment. Ça s'abandonne et ça se relâche. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration par le nez. Inspirez au maximum. 1, 2, 3. Et ça expire. Ouf. 1, 2, 3. Ah oui, ça pleure, ça s'étire, ça se fait du bien, tout se relâche. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude.
2, 3, abandon. On continue, inspiration puis expiration. Et à chaque expiration, ça s'abandonne et ça se relâche. Et tout doucement, depuis le bas du dos, nous remontons vertèbre par vertèbre. Les bras, les mains montent jusqu'au ciel. Ça s'étire vers le haut. Puis, posture anatane, les bras en croix. Si vous n'avez pas de problème de cervical, la tête en arrière. Ah, ah. Oui. Ça s'étire. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. Et les mains soutiennent le bas du dos. Nous entrons dans une posture des 5 tibétains. 1, 2, 3. Ah ! Et ça fait du bien. La mâchoire s'étire. Vous pouvez faire des grimaces. Étirement de la mâchoire. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Ah. 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 1, 2, 3. Ah. Jouissance de l'étirement. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ah.
Inspiration par le nez. Abandon. Ressentez la jouissance de l'étirement. Doucement depuis le bas du dos, nous revenons en position verticale. De nouveau, les bras, les mains se lèvent sur la pointe des pieds. En regardant en face, ça s'étire. Inspiration. 1, 2, 3. Vérifiez votre ancrage. Nous faisons un yoga d'ancrage et d'enracinement pour toutes celles et ceux qui ont besoin. 2, 3. Ah oui, votre conscience dans les pieds. 1, 2, 3. Inspiration. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ça contracte les abdos et les muscles fessiers pour que ce soit plus facile. Si vous êtes raide. Inspiration et ça monte, ça monte, ça monte. 1, 2, 3. Et puis tout doucement nous descendons avec de nouveau abandon et ça relâche. Inspiration, expiration, on continue. Inspiration, expiration, on continue.
Et tout doucement, depuis le bas du dos, vertèbre par vertèbre, nous remontons tout doucement. De nouveau position verticale, les bras, les mains montent. Ressentez la plante des pieds, nous allons faire un ham dans les pieds. Et pour ceux qui n'ont pas de problème de cervical, la colonne en arrière, la tête en arrière et les mains soutiennent le bas du dos. Ah oui. Ah, étirement de la mâchoire. Ah, ah. Abandon. Ah. Ah. Et ça fait du bien. 1, 2, 3. Inspirez, expirez dans les pieds. Doucement depuis le bas du dos, ça revient en position verticale. Le bras droit monte, monte, monte. Nous allons faire demi-lune à gauche. Le bras droit monte, monte, monte. Et ça s'étire sur la gauche. Ah oui, jouissance de l'étirement dans le bas du dos. Ah, et ça s'étire aussi dans le cou. 1, 2, 3.
Oh, ah, oh, gratitude. 1, 2, 3. Ah, oh. Inspirez, expirez là où ça s'étire. Ah, oh, oui. Dites avec moi, je m'autorise la jouissance de l'étirement. J'ai le droit d'exprimer ma jouissance. Ah, ah oui, ça fait du bien. 1, 2, 3. Ah, ah, inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Ah. Et ça s'étire. Inspirez, expirez là où ça tire. Peut-être le bas du dos, le haut de la fesse, peut-être le cou. Ah oui. 1, 2, 3. Et puis tout doucement, nous revenons en position verticale. Et c'est le bras gauche qui monte, monte, monte. Et maintenant, la demi-lune à gauche. Le pied peut se soulever un petit peu pour s'étirer à droite le plus possible. Ah! Ah oui! Vous voyez la différence entre le côté droit et le côté gauche aussi, c'est intéressant. Ça peut être différent. 1, 2, 3. Ah! Ah! Gratitude. Dites avec moi, je m'abandonne à la posture. 1, 2, 3. Ah! Et ça s'étire pleinement. 1, 2, 3. Inspiration. Inspiration. Abandon. Ah! Et puis nous revenons tout doucement. Waouh! Ressentez les pieds. Les yeux fermés, de nouveau un âme dans les pieds. Les bras, les mains montent, montent, montent. Et nous nous étirons de nouveau en haut. Ah oui! Ressentez la jouissance dans les omoplates. Ou le bas du dos, ou les deux. Ah! Et ça s'étire. Chaque jour un peu plus. Le coude droit se plie. Et c'est le coude droit qui monte, qui monte, qui monte. Ah oui! Étirement de tout le dos. Du haut de la cuisse jusqu'à l'épaule, le coude monte, monte, monte. 1, 2, 3. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ah oui. Et pour ceux qui veulent, il y a l'option sur les doigts de pied aussi en plus. Vous pouvez mettre sur les doigts de pied et laisser tout monter si vous le souhaitez. Et le coude droit monte, monte, monte. 1, 2, 3. Ah oui, ça monte, ça monte. 1, 2, 3. Et ça s'étire, laissez tout s'étirer. 1, 2, 3. Ça monte, ça monte, ça monte. 1, 2, 3. Ah, testez votre ancrage, votre enracinement, votre connexion à la terre et au corps physique. 1, 2, 3. Et puis nous redescendons tout doucement. Ah oui. Et puis nous remontons avec maintenant le coude gauche qui va se plier. Une respiration. 1, 2, 3. Et ça monte, ça monte, ça monte. Le coude gauche monte, monte, monte. Étirement du dos. Vous pouvez aussi monter sur les doigts de pied si vous voulez. 1, 2, 3. Ah oui, ça monte, ça monte, ça monte et ça continue de monter à l'infini. 1, 2, 3.
contraction des abdos et des muscles fessiers. 1, 2, 3, la conscience dans les doigts de pied ou dans les pieds aussi. Et en même temps, dans le dos qui monte. Ah, et qui s'étire. 1, 2, 3. Vérifiez votre focus, votre focalisation, votre capacité à vous focaliser toute votre conscience dans les pieds et dans le coude qui monte, qui monte, qui monte. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça monte, ça monte, ça monte. 1, 2, 3. Et nous redescendons. De nouveau la posture Anatman, les bras en croix et la tête en arrière. Ah! 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 Ah. La mâchoire s'ouvre et se détache. Ah. Inspiration, nous revenons position initiale. 1, 2, 3. Ah, ressentez dans votre corps. Et nous allons déverrouiller le bassin maintenant en faisant le hula hop. Les chevilles tournent. Font des ronds, les genoux aussi, puis le bassin, des ronds de plus en plus grands dans un sens. Les genoux sont légèrement fléchis. Et ça libère à gauche, à droite. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui! Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. 1, 2, 3. Voilà, plus les cercles sont grands, plus vous déverrouillez le bassin, plus c'est mobile. 1, 2, 3. Et puis nous allons changer de sens, dans l'autre sens, une respiration, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, votre conscience dans les pieds. Et en même temps dans le bassin. Et ça tourne, vous êtes de plus en plus à l'aise, les ronds sont de plus en plus grands, c'est de plus en plus facile. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà, nous allons revenir. Position initiale, âme dans les pieds. Ah.
asseoir pour faire le papillon. Les plantes des pieds se touchent. Et nous allons osciller les genoux comme un papillon. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Et ça oscille. Ressentez en vous, les yeux fermés, ce que ça fait. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bien mobile, les genoux? 1, 2, 3. Inspiration par le nez, expiration par la bouche en continu. 1, 2, 3. Et nous allons enchaîner avec la grenouille. Après le papillon, la grenouille. Les pieds bien à plat, si possible. Ne vous faites pas mal si c'est nouveau. Laissez tout se relaxer. Inspiration, expiration, là où ça s'étire. Que 30 secondes.
Et nous pouvons nous asseoir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Position assise, si possible en demi-lotus. La colonne en arrière. Ah oui, et ça s'étire. Alors il y a l'option le bassin, les fesses montent, montent, montent. Ah, ah. Et les tibias restent au sol. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, ah. Et ça s'étire. Les cuisses s'étirent. Ah, ça fait du bien. 1, 2, 3. Ah. Et le bassin monte, monte, monte. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Ressentez une jouissance de l'étirement. Ah. 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 Oui, ça s'étire. Ça s'est fait du bien dans le bassin, les hanches. Ah, ah. Et nous revenons tout doucement en position assise, le dos en arrière. Et maintenant la planche pour celles et ceux qui veulent. Une respiration. 1, 2, 3. Ah, oui, ça s'étire. Ah, allez vers cette jouissance de l'étirement. Recherchez le plaisir dans chaque posture pour dire à l'inconscient, eh bien dans chaque position, je peux avoir du plaisir, je peux m'étirer. Ah, et ça monte, le bassin monte. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Les abdos se contractent, les muscles fessiers aussi. Ça monte, ça monte, ça monte, ressentez l'étirement. Ah, gratitude. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Ah. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Abandon. Ah, oui. Ah. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration dans les pieds et les mains. Ah. 1, 2, 3. Et ça monte depuis le bassin. Ah oui, ça fait du bien. Ah. 1, 2, 3. Ça s'abandonne à la posture. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour arrêter la posture aussi. Il y a juste le corps qui fait à son rythme.
Ressentez quand il n'y a plus de résistance. Et tout doucement, les fesses reviennent au sol. Le dos reste en arrière, la tête en arrière, et tout doucement, position assise, la colonne arrière comme au début. Ah, et vertèbre par vertèbre, ça revient en position verticale. Une respiration. 1, 2, 3. Les jambes, les cuisses s'écartent et nous allons nous pencher en avant. Inspiration. 1, 2, 3. Oh! Ah! Ouh là là! Inspiration, nouvelle posture. 1, 2, 3. Et ça va en avant. La colonne fait le dos rond. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration. Ressentez l'étirement peut-être dans l'entrecuisse. Ah oui, ça s'étire. 1, 2, 3. Ouf. 1, 2, 3. Ouf. Inspiration. 1, 2, 3, abandon. Ouf. Inspirez, expirez là où ça s'étire. Tout doucement, nous allons enchaîner avec le chat. Posture du chat à quatre pattes. Et c'est aussi le moment des postures libres. Le chat et les postures libres. Dites avec moi, je canalise mon yogi interne. Voilà, faites tout ce dont vous avez besoin de faire. Ah oui. Ah. Le chat ou aussi les adaptations et les postures que vous canalisez, une envie d'étirement, c'est votre moment. Ah, ah, gratitude. Ah. Ah. C'est un moment plaisir. Inspiration. 1, 2, 3. Ah,
Inspiration. Expiration en continu, quelle que soit la posture. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Ah oui. Ah. Inspiration par le nez. Expiration. Ah. Ah. Expiration. Gratitude, oser la jouissance de l'étirement, rechercher le plaisir. Une respiration. 1, 2, 3. Et c'est le moment de pause sur le ventre. Allongé. Tête sur un côté. Abandon total au matelas. Au tapis de yoga. Ça s'abandonne. Continue à inspirer par le nez. Et abandon. Un, deux, trois, abandon. Un, deux, trois. Continue, inspiration par le nez, expiration par la bouche.
Et tout doucement, nous faisons une transition avec la posture du sphinx qui va regarder en face. La colonne s'étire, la tête bien droite. Ah oui, inspirez, expirez dans la colonne. Inspiration, abandon. Le bassin est bien plaqué au sol. Et si ça rote, ça rote. Ça se libère, c'est connecté à terre-mer. Inspirez, expirez là où ça s'étire. Et puis nous allons tout doucement nous allonger sur le dos en nous mettant d'abord sur le côté. Les bras s'étirent en arrière. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, ça s'étire, ça s'étire. Le bassin monte, monte, monte. Les abdos se contractent. Une respiration. Ah oui, ça s'étire. Le bassin monte, monte, monte. Et ça monte, ça monte, ça monte. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Inspirez, expirez. Dans le bassin qui monte. Ressentez là où ça s'étire. Peut-être le bas du dos. Peut-être les cuisses. Inspiration. 1, 2, 3. Imaginez, vous inspirez par le nez et vous expirez dans tout le bassin une couleur rouge. De nouveau, inspirez par le nez, expirez dans le bassin une couleur rouge. On continue.
Et puis de nouveau, tout descend. Ah, le bassin descend, allongé. Le buste va remonter avec les mains qui attrapent les pieds. Nous allons préparer la torsion. La tête entre les genoux. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Une grande inspiration et les genoux tombent à gauche à 3. 1, 2, 3. L'épaule droite. Et plaquée au sol. Inspiration. La tête tourne à droite. L'épaule droite bien plaquée. Le bras droit allongé. Et la main appuie sur les genoux à gauche. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Ah oui, ça s'étire. Et ça s'étire tout doucement. Et ça s'abandonne à la posture. Inspiration, expiration, en continu. Sachidananda.
Et tout doucement, nous revenons sur le dos, tout doucement, tout doucement. Ah oui, de nouveau les bras s'étirent en arrière. Ah, paille, ça se fait plaisir. C'est en méditation. Il n'y a plus personne, juste un corps qui se fait du bien. C'est un rendez-vous avec vous. Oh, oh, ah oui, de nouveau. La tête entre les genoux, nous remontons. Les pieds sont attrapés par les mains. Inspiration, le dos rond. 1, 2, 3. Inspirez, expirez avec ce dos rond. Quelques instants. 1, 2, 3. Les yeux fermés, la conscience dans le corps. 1, 2, 3. Et puis, à 3, les genoux tombent à droite. 1, 2 et 3. Le bras gauche est bien plaqué au sol avec l'épaule bien sur le sol. 1, 2, 3. La tête tourne à gauche et la main droite appuie sur les genoux tout doucement en fonction de vos capacités. Et maintenant, il y a juste à inspirer par le nez et expirer par la bouche en s'abandonnant en continu. Inspirez par le nez, expirez là où ça tire. Ah oui, et osez la jouissance de l'étirement.
Et tout doucement, nous revenons en position allongée. Nous allons nous reposer. Si vous avez un masque à mettre sur les yeux, c'est le moment. Inspiration. 1, 2. Ah oui, et ça peut s'étirer en arrière. Ah, wow. C'est relaxé, c'est en méditation. C'est un yoga tantra méditatif. Il y a juste à s'abandonner. Prenez une position confortable. Peut-être les genoux remontés. Si vous êtes dehors, rentrez dans la maison car nous allons être immobiles pour ne pas avoir froid. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Il y a juste à écouter les réalisations du jour. Laissez pleurer, ça pleure déjà. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de comprendre le processus d'éveil. Ouh, ça pleure. Une respiration. La conscience que nous sommes s'éveillait à elle-même. J'étais en train de m'éveiller, c'est-à-dire j'étais en train de prendre conscience. Ouh, laissez pleurer. 1, 2, 3. J'étais en train de prendre conscience de plein de nouvelles choses. Et plus j'avançais sur le chemin de la vie, et plus des expériences et des réalisations s'offraient à moi. J'avais été conduit et conduite jusqu'ici. J'avais survécu à toutes mes épreuves. Laissez pleurer. 1, 2, 3... C'était mon histoire, mon chemin qui m'avait amené jusque-là. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Il y avait le chemin du passé et il y aura le chemin du futur. Et de vie en vie, ce que je suis progressait infiniment d'incarnation en réincarnation. Laissez pleurer. De vie en vie. Une respiration. 1, 2, 3.
Dites avec moi, je m'abandonne à la rivière de larmes. Je laisse pleurer. Je me laisse toucher. Et si je suis touché, je suis touché. Et si ça résonne, ça résonne. J'accueille mes émotions. Je laisse pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de me familiariser avec le processus en cours, un processus d'éveil. J'allais être de plus en plus familiarisé avec ce processus qui comporte plusieurs étapes. Première étape, montée vibratoire ou expérience. Deuxième étape, réalisation. Troisième étape, émotion. Quatrième étape, laisser vivre les émotions. Ouh, ça pleure. 1, 2, 3. En allant dans le mental ou l'intellect, j'allais avoir tendance à ne pas vivre. J'allais avoir tendance à ne pas prendre le temps de vivre chaque étape. J'avais besoin de ralentir tout au long de la journée pour bien vivre chaque rencontre, chaque dialogue, chaque conversation, chaque échange, chaque action aussi. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. J'ai besoin de voir, c'est la conscience qui s'éveille à travers tous ces corps, ces 8 milliards de corps. Ce n'est pas moi qui s'éveille, ce n'est pas le je qui s'éveille, c'est la conscience, c'est existence, c'est la vie elle-même, c'est l'être. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de voir le rôle de l'identité dans ce processus d'éveil. L'identité, la personne, l'ego, le moi, le je, était une construction qui avait le droit d'exister et qui avait la possibilité technique de s'abandonner à l'être, à la vie, à la conscience, au divin, à l'univers, à l'amour, et aussi à la jouissance, au corps physique et aux émotions. Laissez pleurer. 1, 2, 3. En apprenant à mon identité à s'abandonner à l'amour, à la vie, à l'être, à l'intelligence, à la jouissance, au moment présent, à tout ça, eh bien, la vie elle-même allait pouvoir s'incarner pleinement dans ce corps et vivre pleinement dans ce corps. Laissez pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir, c'est la vie elle-même qui a envie de s'incarner, de jouir d'être et d'exister. C'est la vie elle-même qui tombe amoureuse. Laissez pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de voir, il y a deux modes. Soit l'identité freine la vie, le processus de vie, la jouissance, l'incarnation, l'éveil de la conscience, le changement, et c'est pleurer. Soit l'identité freine tout ça, et dans ce cas-là, elle va souffrir et même parfois créer des maladies. Soit l'identité s'abandonne encore et encore. Le mot en anglais, c'est surrender. I surrender to you. Je m'abandonne à toi. J'ai besoin de voir dans la langue française, c'est le même mot. Être abandonné ou se faire abandonner et s'abandonner, ce qui pose quelques petits problèmes techniques parfois.
Dites avec moi en anglais « I surrender ». Donc ça veut dire « je m'abandonne au sens le plus profond » en enlevant tous les grégores de « oh, j'ai la blessure d'abandon ». I surrender to you. Qui signifie je m'abandonne à toi en direction de la vie, de l'être, de l'amour. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Ressentez les effets de ce mot très différent en anglais qu'en français d'ailleurs. Encore une dernière fois, dites avec moi I surrender. Voilà, laissez pleurer. Et ressentez aussi que, en changeant les mots, en mettant des mots anglais, par exemple, mais ça pourrait être une autre langue, nous sortons de l'énergie connectée aux mots, en fonction évidemment du pays et de la civilisation et de la culture. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Je vous encourage à apprendre d'autres langues de façon à augmenter le nombre de concepts et de compréhension, mais aussi de façon à nettoyer tout ce qui a été collé sur les mots. Et c'est pleuré. 1, 2, 3. Et c'est pleuré. Dites avec moi, à tout ce que je suis, te amo. Te amo. Ce qui signifie je t'aime en espagnol. Et dites avec moi, eu amo você. Dites avec moi, à moi-même. Eu amo você. Oh, laissez pleurer, ressentez un impact émotionnel. C'est donc du portugais et du brésilien aussi. C'est des centaines de millions de brésiliens et de portugais et de portugaises qui vous disent « Eu amo você ». Dites avec moi « Eu amo você ». Et ressentez quand vous vous dites à vous-même « Eu amo você ». « Eu amo você ». Et littéralement, la traduction, c'est « Moi, aimez-toi ». C'est très chouette, une respiration. 1, 2, 3. Et toujours à vous-même, imaginez votre identité ou ce que vous croyez être. Et dites avec moi, I love you. I love you. Plein de petits bisous. I love you. Eu amo você. Te amo. Je t'aime. Laissez pleurer. Ressentez plein de façons de vous se dire je t'aime. De dire à ce que vous êtes je t'aime. Et oui, vous avez le droit de vous aimer. Et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et plus j'allais ouvrir le cœur, plus j'allais m'autoriser à aimer ce que je suis, même si vous ne savez pas totalement ce que vous êtes, ça n'a pas d'importance, parce que quelque part en vous, l'être sait exactement ce qu'il est. Et s'aimer amène évidemment dans l'être. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir quelles sont les parties en moi qui ont des difficultés à dire « je t'aime » et qui ont des parties qui ont des difficultés à s'aimer. Eh bien, c'est tout simplement l'identité, des sous-parties de l'identité, des zones qui ne s'aiment pas. Et c'est pleuré. 1, 2, 3. Il y a juste à écouter. J'avais donc en moi des zones qui ne s'aiment pas. Comment avaient-elles été construites, ces zones? Laissez pleurer. 1, 2, 3. Eh bien, c'est extrêmement simple. Dans l'enfance, ces zones n'avaient pas été aimées, n'avaient pas été accueillies. Ces zones avaient été désaimées ou haïes.
non reconnus, peut-être par les parents, les frères et sœurs, la famille, par l'extérieur en fait. Et dans la construction de l'enfance, j'avais cru qu'ils avaient raison et que je ne méritais pas, ou que certaines parties de moi ne méritaient pas d'être aimées. Ah, ça pleure, une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi à toutes les parties de moi. Je t'aime. Je t'aime. Et où amo você? Te amo. Te amo. Et où amo você? Voilà, laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. C'est le moment de se prendre dans les bras. Faites ce geste où vous vous prenez dans les bras. Dites avec moi, je prends soin de toi maintenant. Tu as le droit d'exister. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi à chacune de mes parties, à mon identité, à toutes mes identités, à toutes mes sous-personnalités. Je t'aime. Eu amo você. Te amo. I love you. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je nous pardonne tout. Ça se pardonne tout. Nous sommes libres maintenant de nous aimer, d'exister et d'être. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir et de comprendre. Plus j'allais aimer chaque partie de moi, chaque sous-personnalité, chaque identité, chaque partie, chaque sous-sous-partie et sous-sous-sous-partie, plus j'allais aimer aussi mon corps, mes chakras, mes organes, toutes les parties, tout ce que vous pouvez imaginer de vous, tout ce qui même pouvait sembler être de l'ombre ou quelque chose de pas bien, plus j'allais aimer tout ce que je suis, incluant mon ignorance, tout ce que j'ai fait que j'ai pu regretter, laisser pleurer, et plus j'allais aimer toutes ces parties, plus j'allais être la paix, j'allais me pacifier. Et quelle est la conséquence? Eh bien, j'allais me réconcilier avec toutes les parties externes de moi, c'est-à-dire toutes les personnes dans ma vie. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Pourquoi si je pacifie toutes mes parties à l'intérieur, eh bien, je vais pacifier toutes mes relations humaines. Et pourquoi cela va révolutionner toutes mes relations humaines? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre, et que tout ce qui semblait être externe à moi, toutes ces personnes, tous les autres moi, en réalité sont des projections de mon intérieur. Et oui, c'est un grand secret. Dans ce jeu vidéo en trois dimensions, ce jeu holographique et fractal, eh bien, tous les autres sont moi au sens littéral du terme. Pourquoi les ai-je créés? Pour me voir. Ce sont tous des miroirs qui me montrent des parties de moi. Sans exception, les 8 milliards d'habitants, plus toutes celles et ceux qui sont venus sur Terre, incluant Jésus et Hitler et tous les autres. Laissez pleurer. 1, 2, 3. En comprenant ce secret bien gardé par les initiés, j'allais pouvoir me pacifier et j'allais pouvoir commencer à vivre très profondément toutes mes relations humaines. Laissez pleurer. 1, 2, 3.
Ressentez dans le cœur. Laissez pleurer. En comprenant que il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Existence, la vie, l'être. Et que nous sommes réellement un. Dans la conscience, dans plein d'aspects. Alors j'allais pouvoir les aimer. J'allais pouvoir m'abandonner à eux et à elles. Une respiration. 1, 2, 3. J'allais pouvoir aussi partager. J'allais pouvoir soutenir, co-créer. Et alors j'avais besoin de voir que ça ne signifie pas dire oui à toutes les parties de moi, bien entendu. Car certains, certaines étaient très souffrantes et malades, avec des corps de souffrance. Mais ça voulait dire que j'avais la possibilité technique, quelque part dans le cœur, de les aimer. Sans pour autant leur dire oui à tout, bien sûr. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi. Je peux dire non à quelqu'un que j'aime. Et je peux dire oui à quelqu'un que je n'aime pas. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Dites avec moi, je vois l'être dans chacun. Et je vois l'identité dans chacun. J'active mon discernement. Je vois en moi mon identité, mes identités, mes sous-personnalités et l'être que je suis. Chacun a sa place, chacun a son rôle. J'accepte toutes mes parties. Une respiration. 1, 2, 3. Alors c'est juste à écouter. J'avais besoin de voir le rôle de l'identité et à l'intérieur de l'identité, la protectrice ou le protecteur, un rôle de sécurité, un rôle de défense. Et j'avais besoin de voir dans les relations humaines, dans les dialogues et conversations ou dans les actions, parfois des événements ou des dialogues allait faire réagir mon système de défense et de protection. Il était là pour définir mon territoire. Et fait pleurer. 1, 2, 3. Dites avec moi, je m'autorise à protéger mon territoire. Je pose mes limites. Je me fais entendre. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je respecte le territoire des autres. Et je fais respecter mon territoire. J'ai le droit d'avoir un territoire. Et j'ai le droit de créer mes règles dans mon territoire. Une respiration. 1, 2, 3. Allez, juste écouter. J'avais besoin de voir que mon territoire, c'est mon corps physique. C'est ma propriété, mes propriétés, mes objets. C'est aussi le chez-moi. Ça peut être aussi votre création, comme le centre Anatman, par exemple. Ça peut être votre chaîne YouTube aussi. Ça peut être votre territoire, votre corps et toutes les extensions de votre territoire. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Dites avec moi, j'active mon autorité. Douce et bienveillante. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Voilà. Eh bien, gratitude pour cette partie réalisation du jour, cet alignement,
gratitude d'être ensemble, gratitude de faire cette retraite spirituelle, ce stage qui est très très enrichissant et aussi très transformateur pour chacun. Gratitude de se soutenir dans ces transformations et gratitude aussi d'être dans la gentillesse et la bienveillance, incluant respecter les règles du centre ici, bien sûr, pour ne pas justement réactiver l'ego, l'identité, pour que ce soit agréable pour tous. Communication bienveillante, respect des autorités de chacun et des règles, c'est très important. C'est une question de respect de soi et des autres. Une respiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Alors, nous allons maintenant passer à la partie Shaktipat initiation que nous n'avons pas encore fait cette semaine. En priorité, celles et ceux qui ne sont pas passés. Nous verrons plus tard pour les vaisseaux spatiaux. Là, nous allons donner des initiations et aider chacun et chacune, eh bien, à transmuter ce qu'il y a à transmuter. Voilà. Donc, en priorité, celles et ceux qui n'ont pas fait encore Shaktipat. C'est une montée vibratoire. C'est parfait après le yoga, car le corps est prêt et disponible. Gardez les yeux fermés le plus possible. Restez à l'intérieur. Gardez votre masque le plus possible pour être aussi dans le noir. Voilà. Donc, celles et ceux qui ne sont pas passés en priorité. Une respiration. 1, 2, 3. Et celles et ceux qui veulent avoir la chance de passer cette année, il reste encore le stage de fin octobre et après il faudra attendre l'année prochaine. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Alors, un Om d'amour pour Aloha. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je suis Shiva. Je suis Ganesh. Et je suis Lakshmi. Je me connecte à mon corps physique. Je m'abandonne à mon corps physique. Une respiration. 1, 2, 3.
est avec moi, j'active la femme sacrée en moi. Il s'est pleuré. Donc c'est pour tout le monde en fait, hein, les mantras. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, j'accepte d'être une femme. J'accueille ma féminité. Une respiration. 1, 2, 3. J'élimine la croyance. Alors c'est pour les femmes. J'élimine la croyance que je dois être un homme dans cette société. Si je suis une femme, je suis une femme. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, j'accepte mon incarnation. Inspiration. 1, 2, 3 et 1. Âme dans le premier chakra. Petite fille en moi. Je t'aime. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je nous pardonne tout. Tu es innocente. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, dans cette vie et dans toutes nos vies. Dans cette vie et dans toutes nos vies. À toutes celles et ceux qui m'ont fait souffrir. En tant qu'identité, je vous aime. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Gratitude. Réconciliation. La guerre est terminée. Je pose mon territoire. Je dis non à l'envahissement. Je pose mes limites. Je pose mes règles. Et je les fais respecter. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Dites avec moi, je suis souveraine. Je suis souveraine. Et souverain. Pour les hommes, je suis reine, roi dans mon royaume. Je suis reine dans mon royaume. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je définis les lois et les règles dans mon royaume. Je définis les lois et les règles dans mon royaume. Car je suis souveraine, souverain. Car je suis souveraine. Et j'ose exprimer. Et j'ose exprimer.
les règles et les lois. Les règles et les lois. Et les lois dans mon royaume. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je refuse toute forme d'abus. Je me respecte. Une respiration. 1, 2, 3. Et je respecte aussi. Et je respecte aussi. Les autres royaumes. Les autres royaumes. Je suis attentive, attentif. Je suis attentif. Aux autres royaumes. Quand je change de territoire. Quand je change de pays. Quand je change de lieu. Je me connecte. À la terre sacrée. Et je reçois des indications sur les us et coutumes de chaque lieu. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude d'apprendre partout dans le monde. Dans chaque pays, des nouvelles règles et des nouvelles lois. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Allez, juste à écouter, j'avais besoin de comprendre l'intérêt de l'autorité sur un territoire. Alors merci de ne pas parler pendant les cérémonies parce que j'entends tout, malheureusement. J'avais besoin de voir l'intérêt de l'autorité sur chaque territoire. En créant l'autorité et en activant l'autorité, j'allais pouvoir défendre et protéger mon territoire, que ce soit mon corps physique, que ce soit mon jardin, mon terrain, mon lieu de vie, mon entreprise, mon centre, quelle que soit votre création. J'avais besoin de comprendre les lois et les règles permettaient de protéger celles et ceux qui étaient justement dans un territoire. J'avais besoin de voir l'histoire de l'humanité, où avant la création des règles et des lois, il y avait la barbarie, et c'était donc la loi du plus fort qui faisait loi. Oh, laissez pleurer. 1, 2, 3. Et dans l'histoire de l'humanité, nous sommes passés de la loi du plus fort, de la barbarie, vers la loi du groupe, du nous, et les lois ont évolué au fur et à mesure depuis l'Antiquité pour protéger de plus en plus, même si ce n'est évidemment pas parfait, protéger de plus en plus les faibles, les vulnérables. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, j'aime le concept d'autorité. J'élimine la confusion entre autorité et autorité abusive. J'active en moi l'autorité bienveillante qui défend les vulnérables. J'élimine la confusion entre autorité et autorité abusive. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de voir et de comprendre. En ayant été abusé dans l'enfance, je vais diffuser les énergies d'abus. Et c'est pleuré. 1, 2, 3.
jusqu'à ce que je puisse me libérer des traumas d'abus. Et c'est pleuré. 1, 2, 3. Et juste écouter. En voyant que dans l'enfance, l'autorité était abusive, j'ai rejeté toute forme d'autorité. Et c'est pleuré. 1, 2, 3. Merci de ne pas parler sur la mezzanine. Merci d'honorer le silence et la musique. Une respiration. 1, 2, 3. En résolvant ce trauma d'abus et ce trauma d'envahissement, j'allais pouvoir ne plus le perpétuer. Ah, ça peur. Une respiration. 1, 2, 3. Inspiration à Aum d'amour pour toutes celles et ceux qui ont des difficultés avec les règles. Une respiration. Avec moi, je respecte le travail des autres. Je respecte le travail des autres. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Je montre mon amour. Je montre mon amour. Une respiration. 1, 2, 3. Quelle ingratitude! Dites avec moi, j'incarne pleinement mon identité, mon territoire. Une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, j'incarne pleinement mon corps physique. Je pose mes limites. J'ose dire non. J'ose dire oui. Depuis le cœur. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je me libère de tous les traumas d'enfance, de tous les abus. J'élimine les abus. Incarnation de mon corps de lumière. Inspiration. 1, 2, 3. Activation de mon cœur christique. Activation de mon Christ solaire. 1, 2, 3. Réconciliation. Gratitude.
inspiration. 1, 2, 3. Merci, gratitude. Une respiration. 1, 2, 3. On avait Malika qui n'était pas passée et Laurence aussi. Si elles ont envie, en priorité. C'est pas une obligation non plus, hein. Mais c'est l'occasion. Une respiration. 1, 2, 3. Ça fait pas mal, hein. C'est juste une montée vibratoire. Allez, viens. Une respiration. 1, 2, 3. Ah, mais tu t'assois comme tu veux, il n'y a aucun problème. Vraiment, vraiment. On s'en fiche de la position. Fais comme tu peux. Pas de problème. Chacun a débuté. Hein. Y compris Sébastien. Homme d'amour. Retourner, on va faire dans l'autre sens. Le dos là. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je suis Shiva. Je suis Brahma. Je suis Anatman. Une respiration. 1, 2, 3. Je suis Bouddha. Je me rappelle maintenant de tout ce que je suis. Inspiration. 1, 2, 3. Je suis l'unité. Je suis le 1. Je suis la source. Inspiration. 1, 2, 3. Bien 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Dites avec moi, gratitude de recevoir l'initiation. Réalisation du soi. Discernement. Clarté. Une respiration. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un « je voudrais » qui viendrait, Laurence? Qu'est-ce que je voudrais? Être libre de? Alors, j'entends rien. Libre de vivre. Vivre quoi? J'entends rien. Plus fort. Vivre l'amour. Pourquoi? Ah, ça pleure. Pourquoi vivre l'amour? Merci de ne pas parler sur la mezzanine. Si vous voulez parler, allez dehors. Comme ça, j'entendrai pas. Vivre l'amour. Pourquoi vivre l'amour? Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Ah, il y a juste à écouter. J'avais besoin d'avoir confiance. J'avais besoin de m'abandonner à l'amour.
J'avais besoin d'apprendre à m'abandonner à l'amour. J'avais besoin de me laisser aimer. Et j'avais besoin d'aimer. J'avais besoin de confiance. Et j'avais besoin d'être en sécurité pour pouvoir disparaître dans le cœur. Ah, ça pleure. 1, 2, 3. Pour pouvoir avoir confiance et être en sécurité, j'avais besoin d'augmenter mon discernement et me libérer de tous les traumatismes d'enfance qui m'avaient fait croire que les autres étaient des ennemis. Ah, ça peur. Respirez. Tu sens ? 1, 2, 3. Dites avec moi, je pacifie mes parties internes. Et l'extérieur change. Dites avec moi, je réalise. L'extérieur est une projection de mon intérieur. En changeant l'intérieur, l'extérieur va changer. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter. Donc j'avais besoin de comprendre, si je veux vivre l'amour à l'extérieur de moi avec un chéri, j'ai juste à préparer ce que je suis, à me laisser tomber amoureuse et à ouvrir mon cœur. Tu vois le mécanisme ? Hein ? C'est simple en fait. Hein, dites avec moi, je m'autorise à être amoureuse. Inspiration. 1, 2, 3. Je m'accorde le droit de disparaître pour réapparaître. Je me laisse tomber amoureuse. Une respiration. Câlin. 1, 2, 3. Inspiration. Expiration. Dites avec moi, j'ai le droit d'être aimé. Le droit d'être aimé. Je m'autorise à recevoir de l'amour. Inspiration. 1, 2, 3. Merci, merci, merci. Alors, on a encore. On va terminer. La prochaine, ça sera demain. Ah, les avions arrivent. Dites avec moi, je me connecte à mon pouvoir. Et à ma force. Elle s'est pleurée. 1, 2, 3. Voilà. Je mets mon pouvoir et ma force au service de l'amour. Voilà. Et nous allons revenir pour le petit déjeuner. Tout doucement. Les prochains Shaktipats demain, pour celles et ceux qui ne sont pas encore passés. Inspiration. 1, 2, 3. Ouvrir les yeux, frotter les mains. 1, 2, 3. Toucher les cuisses, les pieds. 1, 2, 3.
Ah, bougez le corps. Nous revenons. Alors, vous parlerez tout à l'heure. Là, c'est pas fini le yoga. On est en train de travailler. Restez assis. Vous pouvez attendre 2 minutes. Une respiration. 1, 2, 3. On va bouger et revenir dans le corps. Ah. Merci, gratitude. Gratitude, eh bien, à tout à l'heure vers 11h10 à peu près. Suite de nos programmes, gratitude à celles et ceux qui étaient là. À bientôt. Merci. Chantez. Allez. 1, 2, 3. Câlin de bonjour, gratitude. Alors attends, j'arrive, là j'ai pas terminé de travailler. Une respiration. 1, 2, 3. Gratitude d'être nombreux aujourd'hui. 1, 2, 3. Gratitude à toutes celles et ceux qui viennent aussi à distance. Voilà, il reste encore de la place fin octobre si vous voulez le faire en vrai. Stage de clairvoyance. À bientôt, merci.